Salut tout le monde! On est de retour sur la plage de la Grande Baie. Bonjour. Coucou Lulu! Comment vas-tu? J'ai joué d'une chanson. Oh, quel regard dépressif tu as. Ce visage plein de tristesse était de te dire quelque chose. Tu peux le voir à son expression. Oui, je vais te jouer de la musique. J'espère que tu as apprécié mon chant d'eau écaillée. T'as vu sur sa robe, on dirait des petites fées. Waouh! Du coup, t'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Du coup. J'avais des câbles emmêlés, moi, tu vois. Regarde, je l'ai réveillée. Elle faisait une sieste. T'as vu, ta guitare a changé de son. Ouais, j'ai ramené les bébés. Moi, j'aime bien comment dans l'univers... pas dans l'univers Zelda, mais dans Ocarina of Time, Majora's Mask, toutes les filles ont la même voix. Oh bah, c'était... ça aurait été pénible d'enregistrer plein de gens. Picac. Oh, l'île flottante, l'île sous-marine n'était pas une vraie île en fait, c'était un bébé qui dormait. Un bébé? Ouais, c'est un bébé tortue. C'est un bébé tortue. On va l'exploser avec une bombe, il va rien comprendre. Parce que c'est méchant. Ce qui tue des gens dans Super Smash Bros. Melee. Oh. Mais non, moi j'aimais bien aller dessus. Moi, j'ai bien dormi, moi. Est-ce que c'est l'heure de faire un combat sur Super Smash Bros. Melee? Ah non, bon bah alors en ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que les jours passaient très vite, hein, Lulu? Eh oui, Lulu, il n'y a pas de quoi d'être surpris, bien que mes yeux soient fermés dans mon sommeil, je vois tout ce qui se passe dans cet océan. Parce que je suis le maître des stalkers, et là je suis en train de boire de l'eau. C'était bon, oui. Oh. Lulu semble confuse. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour de vaines conversations. Alors donc, fière guerrier Zora. L'océan de la Grande Baie a besoin de ta puissance! Vite, grimpe sur mon dos! Miam miam, j'aime bien boire de l'eau de mer. C'est salé, exactement comme je les aime. Allez, viens, goûte un peu. Je suis sûr que toi aussi, Laëlle, tu aimerais bien. Non, moi j'aime pas l'eau salée, c'est pas mon truc, désolé. Oh, Laëlle, je suis tellement déçu. Ok. Tiens d'ailleurs, tu me dis un truc cool. Pourquoi aussi lentement plante-vite ton grappin dans les palmiers de mon dos, miel? Bien sûr que je connais ton nom, je t'ai pas dit que je voyais tout. Je suis le maître des stalkers, après tout. Donc, qu'est-ce que tu penses que cette tortue, c'est tout de nous? Ben... Et si on n'avait pas un grappin? Eh ben, on aurait dû faire du hovering. Et alors? Comme d'habitude, la réponse à tout, hovering. Quand t'as pas de grappin, tu as l'hovering. Quand tu n'as pas d'hovering, tu as le grappin. Ok. Regarde, ça va être la cinématique la plus ridicule de tout le jeu. Là, ça va freeze. Non, ça va pas freeze. Regarde. En avant! En avant, mes amis, fiers guerriers de la bravoure. Nous pouvons passer le nuage draconique parce qu'on est trop forte. Et même que, ben, en fait, non, on peut pas parce qu'on est trop nul, en fait. On n'est pas assez lourde. Du coup, on a volé dans le ciel en criant parce que c'est cool de crier. And they died. Mais non, elles sont pas mortes. Mais elles sont fait quoi alors? Elles sont retombées dans l'eau. Je pense qu'avec une chute de 10 km de haut, quand tu atterris dans l'eau, tu as explosé en fait. Ah, mais non! Non, elles sont pas mortes! Si, elles sont mortes! Et que Link qui est pas mort, tu sais pas pourquoi? Parce qu'il s'est accroché au palmier de la tortue. Même si ça a aucune logique en fait. Parce que en fait, c'est un tortura des mers. Parce que le palmier, il aurait quand même explosé. Au revoir, tortue! Au revoir, tortue géniale! Dommage, je n'ai pas de bâton, Mojo. Il y a des bâtons ici? Non, je pense pas. Bon, bah d'ailleurs, les gens, bienvenue dans le troisième donjon du jeu, puisque nous y sommes maintenant. Troisième donjon. Ça faisait longtemps hein, qu'on n'a pas été dans un donjon. Et c'est aussi le donjon que j'aime le moins du jeu. Comme d'habitude, c'est toujours le donjon de l'eau. Oui, une fée perdue! D'ailleurs, t'as vu, t'as compris, dans The Wind Waker, ils ont enlevé le donjon de l'eau. Ils se sont dit, oh my god, waouh, c'est un énorme moulin. Oui, c'est exactement ce qu'ils se sont dit, Taya. Oui. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas? Parce qu'à la base, je crois que dans The Wind Waker, il devait y avoir un donjon pour Jabu, mais il n'y avait pas assez d'espace sur le disque, le mini DVD de la GameCube, du coup, ils l'ont retiré. Ah bon? Et tu crois que du coup, dans le remake, ils vont le remettre? Peut-être, peut-être pas, c'est ce que les gens pensent. Enfin, c'est ce que les gens espèrent surtout, en fait, pas ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont dit qu'ils prévoyaient de changer... De changer certains trucs, oui. Genre, le truc jouer tout seul.
Bon, alors la plateforme, mon ami, tu viens ici? Oh non, 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 tu pars pas par contre. Merci, t'es trop gentil. Youpi. Pourquoi tu tues des araignées? Parce que je suis arachnophobe. Et toi, là, elle? Non, ça va. Ah, je l'ai tué, elle aussi. Mais elles ont des faits? Je l'ai juste pour le plaisir, par contre celle de là-bas, oui. Ah oui. Allez, viens vite, petit lapin, nous avons des trucs à faire. Elle est toujours pas là. Qu'est-ce que t'attends, petit lapin? Merci. Je comprends, ce moulin énorme sert à faire fonctionner le machin. C'est très précis, Taïga. Merci. T'as vu le dos de Linzora, il est bleu. Oh. Ah oui, c'est vrai, on peut faire un truc cool dans ce moulin. Regarde ça, là, elle. T'es prête? Wow. Donc il a la tête dure. Regarde un pot. Je me demande ce qu'il y a dans ce pot, pas toi? Des rubis. Oh, une fée. Un lapin. Viens là, merci. Maintenant, on nous devons... T'as vu, les lumières, elles sont en forme de poisson, c'est trop mignon. Oui. Enfin, moi, je trouve pas ça spécialement mignon, mais... Mais si, c'est trop mignon! Ça, par contre, c'est moins mignon. Oh. Moi j'avais peur de ça. Pourquoi tu as peur de tout là, elle? Parce qu'ils avaient des dents. Non mais c'est des squelettes. Regarde, les Mojo Baba, elles sont drôles dans ce donjon. Ah, elles sont drôles, elles ont explosé, c'est pas très drôle pour elles. La pauvre. Elle avait rien demandé. Regarde celle-là, elle est mignonne. Alors tu t'appelles Plante Mojo Aquatique. Calme-toi et vise bien. Tu ne te plains pas si tu ne l'as vu pas du premier coup. Pourquoi tu dis ça, Taïga? Non, non, tu tombes pas! Non! Ah non, c'est bon. Y'a pas un truc ici? Mais pourquoi ça arrive à retardement? Le temps que le jeu y comprenne que j'ai tout tué. Il est un peu en retard parfois. Coucou, bon, tu peux venir avec moi, monsieur lapin? C'est la cinquième! Regarde, Link, il veut plonger dans le béton. Oh, Link! C'est bon le béton. Regarde. Elles ont des yeux. Qui ça? Les Mojo Baba? Oui. Bah oui. Tu veux qu'elles se déplacent comment sinon? Bon, je sais pas, comme les Nosferapti. Avec le son. Bon, je sais même pas en fait si elles ont vraiment des yeux. Retourne-toi. Ah. Si, là, les... Ouais, mais y'a que elles qui ont des yeux du coup. Non, non, mec. Enfin, elle a des yeux mais elle sait pas très bien s'en servir, je crois. Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi? Ça marche sur l'eau. Ça marche partout, ce truc. C'est génial, ici, mon génial. Regarde, Ruby. Non, 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 merci, 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 merci. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'aller au fond du sol, mais en dessous, même? Ça de passer fait à travers. Ça fait que je me sens puissant. Une fée. Allons-y, petite fée. Que ouf. Alors, c'est le donjon préféré de Linzora? Ouais, ça doit être parce que c'est... Bon, j'allais dire c'est parce que c'est le seul qui est utile, mais en fait, non, pas vraiment. Dans le quatrième aussi, on s'en sert un peu. Oh. Mais je ne spoilerai pas, ne t'inquiète pas, Dame Lael. Je ne dirai rien concernant ce donjon, si ce n'est qu'il est cool et qu'il a une musique trop bien. Ça, je pense que je l'avais compris, non? Oh, vraiment? Du coup, dès la première partie, nous allons déjà affronter le mini-boss, c'est plutôt cool. Et oui, j'ai spoilé ce qui se passait maintenant. C'est pas bien. Désolé. Oh, t'avais une clé. Ah oui, c'est vrai. Allez, faut que tu fasses un stock de rubis. C'est très important pour le boss. Ouais, surtout, en fait, j'ai besoin surtout de magie, en fait. Magie, magie, donne-moi de la soupe. Et des croûtons de pain. Non, mais je voudrais des bombes. C'est trop demandé, des bombes. Tu peux attendre qu'ils reviennent, sinon. Comment qu'il revient pas, celui de la magie? Si, si, il revient. Ils reviennent tous, mais au bout d'un moment. C'est des blobs, c'est ça? Ouais, des blobs. Qu'est-ce qu'ils étaient moches, les blobs? Merci. Je préfère les blobs de maintenant. Bon, dans Antoine Princess, ils me font peur, là. Ils tombent de nulle part et puis blablabla. Des jolis chus. Non, c'est des blobs. En français, c'est des blobs, et c'est en anglais que ça s'appelle des chus.
Oui, chuchu. Pourquoi? C'est plus cool chuchu que blob quand même. Ah bah moi je dis chuchu, hein. C'est blob. Regarde, c'est Goma, insectoïde géant. Non, je sais même plus faire la musique d'Ocarina. Ouais, c'est bien ça aussi. Merci, jeu. Regarde, il est vite la bombe. Non, c'est pas Dodongo. Allez, ouvre ton œil. On peut détruire toutes les bulles, je crois. Ah oui, tu peux utiliser le masque de la bombe aussi. Ouais. Tu éviterais de gâcher des bombes, si t'en as plus. J'en ai 30, ça va. Bon, ok, je vais utiliser le masque de bombe pour faire plaisir à Dame Lael. Oh mince, il a fermé son œil. Ça va, vous vous amusez bien. Bon, d'ailleurs, on va profiter du fait que, voilà, j'ai tous ces machins, Parce qu'on en aurait besoin pour plus tard. Du coup, là, j'ai plus de... Allez, explose, s'il te plaît, non, oui. Ouf, voilà, bon, maintenant, on a besoin de tuer tous les trucs, parce que... Ah, mais si, il y a des bâtons mojo. Non, il n'y a pas de bâtons mojo ici. Oui, mais je veux dire, il y a des bâtons mojo dans ce jeu. Ah. Quoi, tu te souviens pas de comment j'ai tué le mini boss du premier donjon là? Non, oh my god! Wow, j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps à l'infini. On dirait des œufs de poisson. C'est du caviar. Non, le caviar c'est noir. Je pensais plus aux œufs de saumon en fait. Il lui pave dans l'œil. Le caviar, là, c'est le moment où tu le caviar. Ah, le caviar c'est pas bon. Le caviar c'est pas bon? Oui. T'en as déjà mangé? Oui. Moi j'en ai jamais. Espèce de Richard là. Mais non, c'est les petits canapés là. Attends, je l'ai touché avec l'épée. On peut le tuer avec l'épée. Waouh, la découverte. Mais non, mais tu sais là, c'est des petites boules noires. T'en as déjà mangé toi aussi. Ah bon? Mais je crois une fois. On en mangeait. Je suis riche. Mais non. Faut arrêter avec ces préjugés. Moi je voulais des peinés de toute façon. C'est mieux les peinés. Oh, les flèches de glace. Oh my god, un objet très utile dans le jeu. Qui va nous servir une fois dans le donjon et une fois à l'extérieur du donjon. D'ailleurs, il donne quoi? Des... Même pas des... J'aimerais bien avoir des trucs, s'il vous plaît, quoi. Ouais, non, tant pis. C'est pas grave. Ça va, t'as pas perdu non plus beaucoup de vie. Regarde ça. Hyper super, c'est Sonic. Hyper super, c'est E-Link. Sur tous les fronts, avec pour mission de fendre l'air plus vite que le son. Bon, je ferai plus cette blague. Oh, regarde, il y a plein de bombes. Ouais, maintenant que j'en ai plus besoin. Mais si, j'en ai besoin. Alors là, après toi, là, une fois qu'on a fini ce mini-boss, que devons-nous faire? Utiliser les flèches de glace. Mais non. Mais non, c'est gaspiller des bombes, voyons. Piouf. Piouf. C'est moi ou l'overing, c'est plus rapide à faire dans Majora's Mask que dans Ocarina of Time? C'est plus rapide à faire dans Majora's Mask que dans Ocarina of Time grâce à le nouveau concept des bombes. Les bombes ne font plus plusieurs dommages d'affilée, ils n'en font plus qu'un seul. D'ailleurs, faudrait que je termine un peu cette vidéo des bugs d'Ocarina of Time et que je la poste aussi. Je l'ai presque fini en plus au moment où je tourne cette vidéo. Montre la vraie méthode quand même, parce que pour les gens qui veulent... C'est ce que je comptais faire. Pour les gens qui cherchent la solution et qui sont perdus ici. Ah, il m'a tué le Octorok, il m'a jeté un caillou géant, une cacahuète. Non, c'est du popcorn. Cacahuète. Moi, quand j'étais petite, je disais que c'était du popcorn. Non, mais je l'ai raté en plus. Mais non, vous êtes pas gentil. Regarde, allez, fais-moi un beau truc pour faire une belle statue. Oh, je suis triste, elle est pas belle cette statue. Je veux bien, ça fait un... Non, mais je veux faire une belle statue d'Octorok quand même. Allez, toi. Mais pourquoi tu tires alors qu'il fait rien? D'ailleurs, il s'est tourné, tu sais pas pourquoi. Il voulait faire coucou à la caméra, il est comme Zoro, il se dit, il faut que je fasse une position cool. Bon bah, sérieusement, en fait, une fois qu'on les a gelés, on peut monter dessus. Et pas le faire qu'il fondre, parce que sinon c'est pas très pratique pour monter. Mais il est mort. Oh non, il est retourné dans l'eau parce qu'il a peur. Ah, oh, ça c'est une belle position, merci. Donc je disais donc, voilà. Et voilà. Maintenant, bah, nous allons pouvoir nous arrêter là en rentrant dans le tuyau.